Bonjour tout le monde. Allô. On continue sur Twitch, mais sur YouTube, on se retrouve donc une semaine depuis le dernier épisode. Donc, ce que les joueurs ont fait depuis cet épisode. Vous avez fait la promenade de Libellule, où d'ailleurs vous avez sauvé un nain à la barbe bleue flamboyant! Donc, ce nain qui aurait apparemment dérangé la libellule, provoqué celle-ci en parlant avec elle, avec un sort de speak with animal. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit, mais ça a énervé la libellule. On veut pas savoir. Mais vous avez réussi à empêcher celui-ci de se péter la gueule. J'aurais peut-être mérité. Ouais, je pensais. Vous avez ensuite été dans la direction que vous aviez vu le nain partir et avez dévié votre attention vers le carrousel, puisque l'expression de tristesse cachée de ce qui semble être une centaure mais qui n'en est pas une vous a attiré. Vous avez appris que cette femme est en fait une humaine, originaire du Feywild, Prismere, plus particulièrement, et qu'elle a pris une entente avec quelqu'un afin de retrouver son cheval perdu en combat. Et ce quelqu'un, cette personne, peut-être, a fait un deal avec et ça s'est pas tout à fait déroulé comme Diana l'espérait. No pleasure doing business with you. Elle a retrouvé son cheval. Mais c'est qu'elle possède maintenant le corps de son cheval. Elle peut courir plus vite. Elle vous a donné accès à son carrousel, à les licornes plus précisément, afin de leur parler. Mais pour ce faire, il fallait trouver les noms de certaines d'entre elles qui étaient effacées. Donc, à bien faire travailler vos ménages, vous avez fini par trouver. Et chacune avait pu poser trois questions à Silicone. Vous avez appris diverses choses. Entre autres, la prochaine victime de Kettlesteam, la Kenku, serait Palasha. Vous savez aussi que l'entité avec qui Diana a fait un deal s'appellerait Slaja Lorna. Vous savez que Star, l'enfant de Dirlagrand, serait aussi en Prismere, mais plus précisément à Titeur, et encore plus précisément auprès de la Gateway Gang. Et je crois qu'il y en a un parmi vous qui a appris qui possédait la chose qui vous a été volée. Oui. Qui a été volée à cette personne. Oui. On est là pour ça, mais il y a juste une personne qui a posé la question. Ouais, ouais. Puis il y a aussi juste une personne qui a demandé mais comment on se rend Prismere. Mm-hmm. Ouais. Donc, c'était ma dernière question, je pouvais pas demander. Donc, il vous a été répondu que M. Witch et M. Light connaissaient la façon de traverser le miroir pour partir par Prismere. Et on vous retrouve donc au Silverstone Lake, un endroit où vous voyez au centre du lac une créature installée sur un immense coquillage ouvert qui est en train de chanter d'une voix magnifique. Sa peau est d'un bleu et d'écailles. Elle a une espèce de crinière, mais pas tout à fait une crinière, plutôt comme des ailerons, si on peut dire. Sur la tête, dans une teinte de mauve, elle a du fard doré sur les paupières, une longue queue de poisson, de sirène, tout de bleu. Et elle a quelques joyaux dorés. Vous apercevez pas la chair. Ah, wow! Oh, wow! Elle est dans un bocal! Ben oui, vraiment. Pas là! Là, elle est allongée. Ah!
sur un coussin dans un immense coquillage. Oh. Mais le bocal, en fait, Elinienne, tu peux faire un lien. Dans l'espace du Staffaria, tu te souviens avoir vu, à la place d'une caravane, un immense bocal. Ah. c'est sa maison. Un bocal. Ce qui makes sense. Is it great? C'est petit, un bocal. Mais c'est juste pour dormir. Exactement, je veux dire, les caravanes c'est une chambre, c'est chill, j'avoue. Les caravanes sont pas grandes non plus, là. Est-ce qu'elle a besoin d'aide pour sortir de son bocal? Elle peut-tu le faire tout seul? Ben, quoi que la rivière va jusqu'au Staffaria. Oui. Fait que peut-être qu'elle est capable, elle se rend jusque-là, puis rendu là, il y a quelqu'un qui l'aide. Peut-être. Sa voix est merveilleuse, envoûtante, telle qu'on pourrait se l'imaginer, une sirène. Mm. Et accompagnant son chant, il y a des bourrasques d'eau qui s'élèvent et forment des sculptures accompagnant les paroles qu'elle chante. Wow. Elle chante en quoi? Elle chante dans une langue que tu ne connais pas. Ça parle quoi, ça? Je suis pas mal sûre que c'est une langue bizarre. Genre la quoi? Let's see! La quoi ou un truc dans le genre? Ouais, je pense que ça serait sûrement de la quoi. Ce qui est drôle. Avant, les Tennessee parlaient genre la langue de leur élément. Ouais. Plaster, on la parle plus. On parlait quoi? Mmh. Parle juste des langues normales? Genre. Commune, pis tu sais, moi je parle une autre langue. Là. Mmh. Ok. Ça parle la quoi? Mmh. C'est ça. Comme théoriquement, je parlerais la langue des fers, du feu. Du feu, genre, ouais. Genre, mais là je la parle plus. Je trouve plus triste. Hein? C'est... Elle chante. Tout le monde dans la foule est envoûté. Et soudainement, vous entendez... Retourne te cacher, tu fausse! Se retourne, se regarde confus. Vous voyez Palacha qui, un instant, a un soubresaut dans sa voix de déranger, mais elle poursuit son chant. Regardez qui perception, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Moi, je regarde, je continue à regarder Palacha. Oui, vous pouvez faire un perception. Who said that? Who's the bitch? Keep an eye on her. Keep an eye on her. Yep. Oh, yeah. Oh. Okay, that's better. Okay. Donc, c'est persuasion, j'ai plus ce skill. Tu C'est... Moi, je regarde Palacha. Tu regardes Palacha? Non, tu peux pas, à ce moment-là, trouver c'est qui... 21. 19. Parfait. Donc... Vous apercevez au travers de la foule... un tiefling qui semble être celui qui a crié la chose et aussitôt il se merge dans la foule, échange d'apparence. Oh la bitch! Pour un petit alphelin. Non mais c'est... C'est Kinkou. Ouais. C'est le Kinkou. C'est la Kinkou. Une autre insulte est criée en direction de Palacha. Par l'alphelin? Par l'alphelin cette fois. Arrêtez là, on va essayer de... Moi je pars d'un côté, toi tu pars de l'autre, on essaye de le... On essaye de l'attraper. Ouais, exactement. Moi, je veux me rapprocher de Palacha. Sous le coquillage. Ouais, moi, je voudrais être sur le bord. Parfait. Tu vois qu'elle est très dérangée par cette deuxième insulte qui a été lancée. Et tu as l'impression que si ça continue, elle va s'en aller. Moi, je vais me mettre à crier. Wouhou! Continue! T'es trop bonne! Parfait. Tu vois que ça y redonne un peu de plus de confiance. Et elle poursuit son chant. Yes. Vous vous rapprochez de chacun de votre côté de Kettle Team, We knew! We knew it was you! On l'a vu shifter. Ouais. C'est ça. C'est quand même assez... Vous vous rapprochez d'un alphorin qui commence à se faufiler ailleurs dans la foule pour essayer de... se cacher de nouveau et prendre une autre apparence. Donc, vous la voyez cette fois qui prend une apparence d'elfe.
Es-tu capable de l'attraper avant qu'elle décide de parler à nouveau? Peut-être. Moi, j'essaierais de me faufiler habilement entre les gens, puis de vraiment juste comme essayer de mettre ma main puis de la tirer en arrière. Est-ce que tu y vas de façon discrète? Ouais. Fais ton jet de stealth. Ah, 10. Je suis très stealth. Sorry. L'elfe va pour s'écrier quelque chose, mais s'arrête aussitôt en se tournant vers toi et te regarde. Bonjour. Moi, je vais essayer de sneak par en arrière. Oh! Tu veux stealth? Oui. Aïe, aïe, aïe. Bonjour. Oh. Let's go. Ça va bien? Oui, pourquoi vous me collez comme ça? Parce que j'ai fallu que j'évite la personne qui est en arrière de moi. Je suis désolée si je suis rentrée dans votre... Ok. 15, il ne te voit pas. Ah! Je fais la même chose. Je fais ce qu'elle s'enlignait pour faire, c'est-à-dire que je le pogne par la bouche, puis je lui ramasse les pieds. Lâchez-moi! Et aussitôt, la forme de l'elfe disparaît et vous sentez des plumes entre vos... Vous avez en votre possession... Kidnapping! Une quelconque plumage d'un bleu violacé foncé. Elle porte une robe d'un bleu indigo avec un collet cuivre. Elle a des ailes de papillon blanches avec un petit dessin orangé dessus. Oh, trop cute! Elle a de l'air vraiment sneaky. Ouais. Puis personnellement, j'ai dit, si t'arrêtes pas, là, puis si t'es pas gentil avec nous, là, j'enlève tes ailes. Tu sais ce que ça veut dire si j'enlève tes ailes? Tu sais qu'il va avoir des conséquences. J'ai payé mon entrée. Ouais, mais si t'as pas d'ailes, ils savent pas, là, eux autres. Qui? Ah! Pourquoi vous m'avez attrapé? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Vous avez pris la voix de Kendall. Vous reconnaissez justement, maintenant qu'elle parle d'elle-même, la voix de Kendall Fu que vous aviez entendue lorsque vous étiez jeune. Non, c'est la voix. Tu vas voler la voix de notre amie! Moi, je continue à la traîner vers le Hall of Illusion. Pour vrai, là? On devrait peut-être plus aller la porter au garde, peut-être, qui est juste à côté, là, au Big Top. Vous comprenez pas? Lâchez-moi! Je vous rejoins. Ok. J'y attache les pieds. Ouais, on l'attache. Moi aussi, j'ai de la corde. J'ai 50. Pourquoi vous me faites ça? J'ai quelque chose à accomplir, il faut que je découvre, il faut que je sache, qu'est-ce qui se passe avec elle, là, chez moi. Qu'est-ce que tu saches? Zubilna, elle est silencieuse. Zubilna? C'est qui Zubilna? Vous ne connaissez pas Zubilna? Non. Lâchez-moi et je vous expliquerai. Non. Je vous dirai rien dans ce cas. Bon, ben, tu vas parler au garde au Witch End de bord. Parfait. Peut-être qu'enfin, je pourrai parler à Witch Light. Bon. Ben, vous voyez? Vous avez essayé de leur parler avant, puis ça n'a pas marché? Ils refusent toute rencontre. C'est pour ça que je fouille la merde partout pour essayer de forcer une rencontre avec eux. Ils veulent pas me parler, je vais forcer la chose. D'accord. Je sais qu'ils savent quelque chose au sujet de Zubilna. Lâchez-moi et je vous raconterai. Peut-être qu'on pourra s'aider. C'est parce que vous étiez vraiment dur à trouver. On n'a pas envie de vous perdre à nouveau. Puis nous, on aimerait que notre ami Kendall Foot retrouve sa voix. Mais je pense qu'on pourrait peut-être avoir des buts communs. On pourrait peut-être s'aider. On peut-tu trouver un coin, genre on irait dans un coin où on la tirerait à terre? C'est-tu le moment d'aller faire le Pixie Kingdom puis faire la grande carousel? Ça va faire weird si on traîne quelqu'un attaché avec nous autres. Ça vous tente d'aller faire un tour de carousel? On jase le temps du carrousel, puis... Pas de problème. Ça vous tente. Si vous nous convainquez, on vous laisse partir. Vous avez un tour de carrousel pour essayer de nous convaincre. Ouais. Bien. En fait, je vous accompagne. Je vous dis tout ce que je sais. En échange, je vous redonne la voix de votre ami. Je trouve que c'est... Ça, c'est un bon deal. Attends, non, je comprends pas. Tu nous dis tout ce que tu sais, puis tu nous donnes en plus la voix de notre ami? Oui, pour que vous nous laissiez partir. Ah, pour qu'on te laisse partir. Ok, parfait. Ok. Ben, ça semble fair. Mais est-ce que cette personne est très... Ouais. Insight. Insight, là. Ben, d'accord. Si j'arrive à le faire. 13. 1.
Moi, je la crois. Yes! Je veux... la grainerie qui ressort. Kato's team a de l'air vraiment de croire les paroles qu'elle vous dit actuellement. Et s'il y a quelconque malice en elle, vous ne percevez rien du tout. Elle semble être honnête dans ce qu'elle dit. Puis, oui, Kendrick, tu as raison. Ah, l'effet mystérieux. Lancez-moi un dé 100. Le grainerie va le faire. Le grainerie. Kendrick. Merci de me l'avoir appris. Donc, on a un effet mystérieux. Deux. Hey, je roule, écoute, après le l'effet de la Divine Intervention, j'ai un 2. Je vais te dire de rouler parce que cet effet-là dans le carnaval, ça sert à rien. Parce qu'il y a personne qui est mort. Ah! Mon dieu. Vous avez tué 62. 62. Quoi, fallait tuer quelqu'un? Ouais, c'est ça. Tu kinko. Oh, madame. Oh, nice. Ben, derrière vous. Pendant que vous transportez quelle velocité, vous la transportez où, hein? On s'en va vers le Pixie Kingdom. Okay. On va aller faire un tour. Parfait. Genre en mode, on tient comme si on était des amis, puis... Ouais. Mais on la tient par la main, les deux, chacun de notre part, ouais, c'est ça. Soudainement, il y a une lueur rouge qui vous illumine de derrière vous. Vous regardez, et il y a un poulet en train de cracher du feu. Ah! What? Et celui-ci, poup, pond un œuf. En chocolat. Côté. Je vais aller chercher l'œuf en chocolat. Je cours pour pas que quelqu'un le pogne avant moi. On peut juste garder le poulet? Coucou. Bonjour, poulet. Coucou. Hey, vous, je veux garder le poulet, il crache du feu. Ok, mais tu le gères. Hein? Ouais, gère ton poulet. Donne-y, tiens. Mets-y une muselière. Donne-y un peu de petites graines, il va te suivre. Non, on s'en allait pas discuter, arrêtez. Oui, oui, c'est ce qu'on fait. Je laisse des petits morceaux pour que le poulet. Un morceau de pain, des fins morceaux. Ouais, c'est ça. Fait que t'as un œuf de poule en chocolat. Et c'est un chocolat à la saveur épicée. Chocolat cayenne. Yay! Le poulet. Ay, caliente! Le poulet poursuit sa route, n'est pas intéressé par les notes de pain que tu mets et continue de cracher du feu et de pondre des œufs en chocolat. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir. Ah, ils pondent plein d'œufs en chocolat? Oui. Les œufs en chocolat, je l'allais chercher. Mais ça a été moi la première. Oui. Y a-t-il l'air d'avoir quelque chose dedans? Non, c'est vraiment bon chocolat. Tu sais, un chocolat qui est comme épicé. Ouais, qui a du piment dedans. Hey, on a du vin, puis là, on a du chocolat. Ouais. On s'en est pour avoir un bon festin. On manque juste du fromage ou un truc dans le genre. Une place pour s'asseoir, puis on est en business. Ouais. Les gens ont l'air happy qu'il y ait un poulet ou triste. Ils ont l'air heureux. Mais il est cool, le poulet! Ça. Non, mais d'un coup, ça fait peur au monde pareil. Ben, je veux dire, il y a des enfants un peu qui ont peur, mais ils sont vite rassurés. Puis, ben, ils sont donnés un œuf au chocolat, ouais, fait qu'ils se calment vite. Ouais. Mais en même temps, les gens à qui appartient le truc auraient pu. Les gens qui travaillent sur place pourraient être un peu en panique, des gens, oh non, il va brûler les structures! Mais personne n'a de l'air en panique, non. Fait que tout va bien. Puis, ça a l'air normal. Il n'y a pas de l'air de cracher du feu sur aucune structure, c'est toujours. Comme dans les mais la c'est plante, juste sa manière de plante, dire. C'est une grosse plante. Plus grande que le poulet. Jeez Louise! Un immense cône de feu. Wow. Non, c'est pas facile. C'est un burning end. c'est ça. C'est pas facile les reflux gastriques. C'est ça que quand tu chies des œufs en chocolat, là. Quand tu chies épicé, tu sais, c'est. C'est rough. Allons faire un tour. Pixie Kingdom. Yeah! Vous voyez un bosquet de chênes qui abrite une fête forêt miniature. En plein milieu, un hamster galope à l'intérieur d'une minuscule grande roue. Entouré d'étals à bonbons et de roulottes miniatures. À l'entrée de ce royaume, une fée est assise en tailleur dans le creux d'un arbre. Je suis Jérémy Plum. Désirez-vous participer à ce carnaval? Non, Siri. Non. What? Non, je sais pas qu'est-ce que Siri a compris là-dedans. J'en ai aucune idée. Mon Siri, c'est pas censé fonctionner. La magie. Donc, écoute, un punch de ticket et pourquoi votre ami est attaché?
Elle est pas attachée, on la tient par la main. On la tient très fort. Okay. Ouais, ouais. Oh, ouais. On la tient par la main, chacun une main, puis genre... Okay. Je vais payer l'entrée à mon ami. Non, parfait. Donc deux punches sur ton ticket. Yes. Pour... en plus... Il reste qu'un Je vous invite à adopter un nom de fée. Ah oui. Et de faire référence à ce nom tout le long que vous serez dans le Pixie Kingdom. Vous pouvez le créer ou je peux vous en donner un. Je vais en prendre un. Lance-moi un des 8. 8. Tu seras Toad Hop. Ok. Toad. Je vais en prendre un moi aussi. T-O-A-D-H-O-P. Je voudrais pas de nommer un nom qui est culturellement inapproprié. Fait que je connais pas assez la culture des fées. Fait que j'aimerais qu'on me donne un nom. Sage décision. 4. Tu seras Dimple. Dimple. Fantastique. Est-ce que Nixiton fonctionnerait? Tout à fait. C'est un excellent nom. Et vous, ma chère, puis Kettle's Team. Je vous dis simplement, choisissez-moi ça. Avec la voix de Kettle. Ouais. D'ailleurs, la fée fronce les sourcils. Uh-huh. Oui, donc vous serez Cotton Candy. Cotton Candy, ça vous va bien? Oui. Allez-y, profitez de la fête. Mais après son nom déjà au Kenko? Kettle Steam. Kettle Steam. Ah, c'est Cotton Candy. Cotton Candy. Non, Cotton Candy. Cotton Candy. Kendo. En tout cas, je vais l'appeler Kendo. Candle Steam. C'est trop long, là. Non, non, c'est long. Donc, vous pouvez voir. Jérémy, ensuite, en fait. Jérémy. Bien, maintenant que vos noms sont adoptés, vous allez pouvoir profiter de cette fête foraine miniature. Et elle sort une petite pochette qu'elle plonge ses mains dedans, lance ensuite une poudre dans les airs et vous êtes parsemé de poudre de fée. Oh non, du glitter, ça voudra pas partir après. Vous avez maintenant un flying speed de 30 pieds. Ooh. Et what? C'est ça. Vous avez un fly speed de 30 pieds. Et elle vous tend ensuite une petite potion de VCC. Et vous aurez la taille adéquate pour participer à tout ce qui se trouve ici. Merci bien. Glou, 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 glou. Ouais. En fait, non, Kenku premier. Ouais. Glou, 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 glou. Elle devient de taille petite, donc la grosseur d'un chat. J'ai bu en même temps pour rapetisser en même temps qu'elle pour la tenir comme parfait. On a juste l'air de lui faire trop des câlins. La potion goûte le gâteau de fête. Oh, oh non, je suis allergique au... Je suis allergique au plaisir! C'est du face set. Ben, je dirais qu'avant son effet, il était un peu allergique au plaisir. Étant de taille petit, vous avez maintenant des avantages sur tout ce qui concerne la force. Oh, ok. Oh. Vous pouvez voir que le royaume des fées est un paisible oasis comparé au reste du carnaval. Le parfum de vin, de mûr et les arômes flottent dans les airs. Wow. Il y a un arbre avec un immense chêne avec des portes vives, de couleurs vives sur celui-ci. Vous comprenez que c'est probablement les résidences des fées qui sont ici. Vous apercevez dans un coin un immense nid, puisque vous êtes tout petit, un immense nid de brindilles dans lequel est couché un grand héron. Oh. Vous pouvez voir dans une région plusieurs fleurs qui sont géantes pour vous, à la taille que vous avez. Et les fleurs semblent parler entre elles. Oh! Wow! Et vous avez la grande roue. À l'intérieur de laquelle il y a un hamster qui l'a fait tourner. Et alors que vous avancez dans cette région, il y a deux fées qui s'approchent de vous. Et voulez-vous jouer à cache-cache?
Non, pas tout de suite. Ah, plus tard. Oui, plus tard. C'est bien. Venez me voir, je suis Honeymint et voici Starbug. Venez nous voir si vous voulez jouer. Vous allez voir, c'est le fun. Parfait. Sure. Vite, 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 rendons-nous jusqu'à la roue. Ouais. Vous allez jusqu'à la roue et vous entendez l'hamster parler qui dit bonjour à tout le monde qui embarque dans la roue et qui parle, parle, parle non-stop. Oh boy. Il ne cesse de parler et il vous pose des questions sans vraiment attendre les réponses. Il parle, il parle, il parle. Il parle avec les autres forains qui sont présents. Puis vous embarquez dans une des soucoupes de la grande roue, des quatre ensemble. J'imagine qu'être un animal qui a passé sa vie à pas parler, à pas être capable de se faire comprendre, ça doit faire en sorte que tu veux parler à ta barouette. Alors, Cotton Candy. C'est si bon! Oui, Dimple. Cotton Candy. Regarde, Dimple. Alors, qui est Starlinda? Zarlinda? Zubin. Pardon. Il y avait beaucoup de Z dans son nom. C'est mon patron. Connaissez-vous cela? Les gens qui reçoivent de la magie en servant quelqu'un. Oui. Ouais. Ben, on est... Ouais, on sait. Comme des clercs? Ça peut, là, ça peut. Comme des prêtres? Ah, peut-être. Un peu. Ça me dit un des peu. Des warlocks. Avez-vous déjà entendu cela? Oui, moi, je sais quoi un warlock. Avec un 18. Ouais, c'est bravo. Vous êtes, vous êtes un warlock? Oui. Et Zubilna est ma patronne. D'accord. C'est quel genre de patron? C'est une archifée. Ah! Il y a quelques années, il y a plusieurs années, donc j'ai fait un pacte avec elle. Je sais qu'elle domaine, qu'elle dirige le domaine de Prismir. Mais récemment, je suis certaine qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec elle, puisque je n'ai plus de contact avec. Oh! Oh, je voulais questionner les propriétaires du carnaval sur ce sujet parce que je sais qu'ils ont un contact avec elle, mais ils ne veulent rien me dire. Donc vous leur avez parlé? J'ai essayé. Comment avez-vous essayé? En m'infiltrant jusqu'à eux. Mais non, ils m'ont rejeté, ils m'ont chassé. Dès que j'ai mentionné Zubilna, ils n'ont rien voulu savoir. On peut s'entendre pour dire que c'est très louche. Que probablement ils savent quelque chose et ils ne veulent pas vous le partager. Ouais, j'ai même entendu une bribe de conversation qui me fait penser que c'est certain qu'ils connaissent plus. J'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses dans le Feywild en ce moment. Tout à prescrire. Je sais pas c'est où, mais ça va. Yeah, exactement. Ça fait. Il y a beaucoup, beaucoup de créatures qui semblent se marcher sur les pieds. Je les ai entendues dire, et sa voix change. Elle prend une voix plus aiguë et agitée. Une voix qui vous rappelle des souvenirs. La voix de Light. Quelqu'un va finir par le découvrir. Nous serons contraints de fermer boutique. Suivi d'une réponse posée et ferme, vous reconnaissez la voix de Witch. Nous avons accepté ce pacte. On nous a forcé la main, mais nous n'étions pas aveugles. On laisse l'Assemblée du Sablier prendre ce qu'elle désire, et en contrepartie, on reste en activité. C'est bien ce que tu voulais, non? Donc, Light a dit, on va finir par se faire avoir. On va finir par se forcer la main. C'est ce que je les ai entendus dire, donc c'est certain qu'ils savent quelque chose au sujet de Zubilna, mais c'est impossible de parler avec eux, ils ne veulent rien savoir. Et c'est pour ça que je fous la merde partout. En provoquant ainsi leur frustration, ils vont finir par me rencontrer. Connaissez-vous cette Assemblée du Sablier? Non, du tout. Ce n'est pas un nom que vous avez entendu auparavant? Jamais. Avez-vous essayé de gagner... La couronne. La couronne. Du monarque? Non. Avez-vous essayé de parler aux licornes? Elles peuvent vous répondre trois questions. Non. Les licornes en bois. Mm-hmm. Nous, on était capables de leur parler. Ils ont répondu à plein de questions très intéressantes. J'ai jamais entendu parler de ça. Non, il n'est pas ceci. Ça doit vous voyez, il y a des options. On n'est pas obligé d'attaquer personnellement des personnes inoffensives et qui n'ont pas demandé... Et même si on va plutôt leur proposer de l'aide, elles vont nous proposer des choses comme ce que nous avons eu la chance de découvrir au carrousel. Mm-hmm. Ça pourrait peut-être vous être utile d'essayer d'être gentil.
t'sais, un peu pour... Et si vous gagnez la couronne, vous serez obligé de faire tout le tour du parc avec Witchy Light. Ils n'auront pas le choix de vous parler. C'est longtemps. Ça peut vous permettre de leur foutre assez la pression pour peut-être leur tirer une ou deux informations. Ouais. C'était un... Okay. Vous avez encore 5 heures pour répandre la joie. Faut faire un jet de persuasion. J'ai pas persuasion. Y'a-tu quelqu'un qui est bon? Toi, tu dois être full charisme. Ouais. Je peux-tu donner avantage à la place? Moi, je roulerais pas. Ouais. Je suis pas sûre, hein? J'ai pas très bien roulé aujourd'hui. Oh! Yes! Ça va, ça va. Ça va, ça va. 23. J'ai eu 13. Donc, vous pensez que en répandant la joie et en étant possiblement la personne couronnée, je pourrais ainsi discuter plus avec eux, mais... Enfin, vous avez peut-être raison. Je sais pas à quel point je serais capable d'avoir des réponses, mais j'aurais effectivement... Je serais effectivement en présence d'eux. Mm-hmm. C'est sûr. On peut essayer. Puis, vous avez l'air d'avoir des ressources. Oui. Je sais pas si vous êtes capable de... Peut-être suggérer des réponses ou même les empêcher de mentir ou des choses comme ça parce que ils vont effectivement vous allez peut-être faire le tour de la ville mais peut-être qu'ils ne voudront pas cracher le morceau parce que là ils ont l'air d'être dans une situation un peu pas très le fun pour eux là. Mais si peu importe parce que là on sait qu'ils laissent des gens voler des choses alors aux carnavaliers qui viennent. Ah, oh, c'est ça tu penses? Ben oui! L'Assemblée du Sablier prend... Ben, ils disent, on laisse l'Assemblée du Sablier prendre ce qu'ils veulent. Mais... À mon avis, c'est parce qu'ils savent qu'est-ce qui se passe, puis ils laissent ça faire. Mais les gens... Puis comment ça se fait que quand on porte les ailes, on est protégé? Parce que c'est plus facile de voler quelqu'un qui est déjà hors la loi que quelqu'un qui a payé ou quoi que ce soit. Mais tu sais, regarde, là, le petit gnome là, qui était dans les miroirs, là, il avait ses ailes, puis tout le kit. Il est rentré, mais il a oublié de faire stamper son truc, puis il était sur le point de se faire voler une affaire, lui aussi. Je suis pas mal certaine. Fait que, eux autres, ils font juste surveiller les contrevenants, puis dès qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose qu'il devrait pas faire, ben, il fait soup, puis il snap de quoi. Vous pouvez faire semblant d'en connaître plus que vous savez. Vous semblez en savoir plus que moi. Mais vous pouvez prendre cette information et un peu les acculer au pied du mur en disant « Je sais pour l'Assemblée du Sablier, je sais qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se trame. Si vous ne me dites pas ce qui se passe avec ma patronne, je vais divulguer cette information à toutes les personnes qui travaillent. » Ça peut être le genre de menace que vous pouvez faire pour essayer de les faire parler un peu. Et, ça peut être une option. Est-ce que vous avez une idée pourquoi ils ne voudraient pas vous mettre en contact avec votre patronne? Est-ce que vous êtes un être dangereux? Est-ce que elle est un être dangereux? Non, Sovilna, c'est la meilleure entité qui puisse exister. Elle est compatissante. Elle est très sérieuse. Une entité de voir là, compatissante, ouais. Tout ça. C'est une archifée. C'est une archifée, oui. Mais c'est fait quand même 19. Kittosti me semble croire ce qu'elle dit. S'il y a quoi que ce soit de malsain à propos de Zubilna, Kittosti n'est pas au courant. Est-ce que alors c'est... Elle sympathique, est-ce... Cotton Candy. Oui, Cotton Candy. Est-ce que alors c'est peut-être Monsieur Witch et Monsieur Light qui sont les méchants dans cette histoire-là? Je sais pas. C'est ce que je me demande. Mais peut-être vous aussi pourriez-vous m'aider. Oui, je peux avoir des réponses peut-être. Vous semblez déjà être apprécié dans ce carnaval. Donc, je crois que vous avez plus de chances de gagner la couronne que moi. Puis, il y a aussi quelque chose avec mon pack. Qu'est-ce que je ne peux aller à Prismir. Donc, pour en savoir plus sur Zubilna, malheureusement, oui, j'aurai des réponses, mais je ne pourrai rien faire pour l'aider si elle a besoin d'aide. Vous voulez que nous, on aille à Prismir pour vous? Oui. Ben, moi, personnellement, aider une archefée, ça me dérangerait pas, ça a l'air cool. Ben, rendu là, on a beaucoup de choses à faire à Prismir. Si elle a l'air si cool comme ça, comme patron, ça me dérange pas qu'elle devienne mon patron aussi. C'est parce qu'on parle du Feywild, là. Oui, c'est quelque chose, là. Hey, c'est une autre aventure, c'est cool. Non? Tu veux pas y aller?
Laissez-moi 5 minutes pour digérer ça. OK. Puis nous trois, là. Ah oui? Après 8 ans qu'on s'est pas vu, on décide, pou-pou-pou-pou, on s'en va en PY ensemble. Ben oui. Prenez votre maillot de bain et votre serviette, on s'en va en trip. Yes. J'ai pas besoin de maillot de bain et de serviette, mais yes. Mais tu comprends ce que je veux dire. Pourquoi t'es venu ici, toi? Oui. Hein? Pour avoir du plaisir. Sure. T'as pas perdu quelque chose il y a 8 ans? Hein? Peut-être. T'as pas envie de le récupérer? Peut-être, mais je sais pas si... Excusez. Je sais pas si j'ai envie d'aller dans Feywild. Si c'est la seule... Pour l'instant, j'espérais pouvoir trouver la réponse ici. Mais c'est Slackerjaw qui a nos trucs. Donc, il se trouve dans le Feywild. Donc, il n'a pas le choix d'aller dans le Feywild. On n'a pas le choix. Bon, vous voyez, on peut s'entraider. Je vous ai donné les infos que je savais, puis elle sort une poupée faite de feuilles de maïs séchées. Il y a une petite corde autour du cou. Voilà la voix de Candlefoot. Il suffit de détacher la corde et il retrouvera la voix. Cool! Merci. La main en main. Très gentil. Et je compte sur vous pour trouver ce qui se passe avec Zubina et la sauver. Et on compte sur vous pour arrêter de gâcher le plaisir des festivaliers, oui. S'il vous plaît. Je vais arrêter. On aimerait bien que Candlefoot puisse faire sa demande en mariage et que la sirène puisse répondre. J'ai un peu gâché le moment, en effet. Oui, oui. Vous croyez pas que, tu sais, ce pauvre monsieur-là, là, il a un petit peu souffert, là. Il a perdu ses couleurs, là, vous prenez sa voix. Non, ça donne des péripéties à leur histoire d'amour. Oui, sûr. Dans 5 ans, ils vont en rire. J'espère. J'espère aussi. Fait que, c'est bon. Je peux donc... Oui, 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 oui. Ça fait plaisir. Bye, Cotton Candy! Petit commentaire, envie, besoin, demande. Oui. Lorsqu'on vous recroisera dans le festival, essayez de ne pas vous déguiser, on aimerait bien pouvoir vous reconnaître et vous saluer. Étant donné toutes les Witch Like Anne qui me recherchent, je n'ai pas le choix de me déguiser. Hey. Et d'ailleurs, j'en vois deux qui sont en train de s'en venir vers ici, car je crois que la fée à l'entrée m'a reconnue. Ah. Donc, puis aussitôt, son apparence commence à changer pour celle d'un elfe avec comme des feuilles à la place des cheveux, la peau verte. Wow! Est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous pourriez faire pour qu'on puisse vous reconnaître? Si jamais on a quelque chose à vous dire. Vous venez nous dire salut. Moi, je vais vous dire. Elle peut venir nous voir en disant nos superbes noms de fées. Oui, voilà. Okay. Oui, d'accord. Même ou en venant dire qu'elle est Cotton Candy. Oui. Ah oui, oui, vous présentez en tant que... Oui, d'accord. Oui, je suis maintenant Cotton Candy, voilà. Excellent. Mais cette apparence-là, ça vient... C'est quoi? Ça vient d'où? Ah, ça vient du Feywild, justement. Oui. Et c'est quoi? C'est une race d'elfes provenant de cette région. Nice! Ils sont vraiment cool. C'est un bon choix. Est-ce que c'est près de Prismyr? Oui et non. Oui et non? C'est... Vous voyez, le Feywild est un monde complètement différent de ce qu'on connaît, nous, ici, du monde matériel. Mm-hmm. La logique des choses n'est pas la même que pour nous. Donc, okay. Les choses sont proches, mais loin à la fois. Prismyr est un domaine dans le Feywild, mais c'est autant proche que loin. OK. Mais c'est difficile à expliquer, très difficile. Puis, en le vivant, est-ce que je vais mieux le comprendre? Ou ça probablement, va... okay. Oui. Fait qu'elle a dit qu'elle exactement les mêmes mots. Prismyr est un domaine dans le Feywild. Okay. Bonne soirée à vous. Je vais arrêter de faire des conneries. Merci. Oui. Ça Cotton possible. Candy s'éloigne dans la foule. Pour nous autres, on va-tu jouer à cachette? Oui! Oui! Okay, okay, okay. Ça se passe les poulettes! OK! OK, là, c'est la deuxième vague de ta potion de happiness qui kick in, là. Ben là, à un moment donné, là, c'est beaucoup de drama, ce qu'on vient de vivre. Ah, c'est vrai, ouais, 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 ouais. Ouais. Hey, on ouvre-tu la bouteille de vin? Je vois qu'elle achète sous. Non, juste une petite gorgée pour y goûter, là. Ah oui, ben oui! Clairement! Ben oui, on peut boire sans être sous! Pourquoi ta voix a monté de 2 octaves? Je suis encore en train de muer.
je vais ouvrir la bouteille puis je vais prendre une première gorgée. Au moment que tu retires le bouchon de liège de la bouteille, il y a une musique qui sort de ceci. Oh, la déception. Mais il y a du vin à l'intérieur. Ah, il y a du vin, ok. C'est juste que la bouteille émet maintenant de la musique. C'est donc bien cool. Wow. Ok, c'est bon, je prends une gorgée, là. C'est un délicieux vin, fruité et rond. C'est... Ok. C'est délicat. J'en prends une très petite gorgée. Sympathique. Pourquoi tu bois pas? Ben, tu vois, j'ai découvert que quand tu bois trop, ben, tu fais des choses que tu devrais pas faire. Puis, ouais, j'ai été témoin de choses pas très cool à Waterdeep. Ok, ben tu sais que souvent quand le vin parle, c'est parce que c'est ton inconscient qui parle. Ouais, mais des fois l'inconscient te pousse à faire des choses et à perdre la maîtrise de ton corps d'une manière qui peut te faire tuer. As-tu déjà tué quelqu'un? Non, mais j'ai déjà vu des gens se faire tuer. Parce qu'ils étaient trop sous ou parce que les autres étaient trop sous? Les deux. D'accord, et donc tu veux pas boire parce que... Je dois avoir la maîtrise de mon corps. Et t'as déjà bu? Oui. Ouais, pourquoi t'as bu ton... Et t'as déjà été trop sous? Oui, c'est arrivé, oui. Mais pourquoi ce vin-là, tu le veux pas, puis... J'ai goûté? Ah, oh, ben... J'ai pris... Ah non, elle a pris une gorgée, mais genre... Mais pourquoi, tantôt, le cidre de poire, t'en faisais pas autant de cas? J'en ai pris un petit peu, mais je veux pas boire trop. Mais t'en faisais pas autant de cas? On n'avait pas eu de débat tantôt? Ouais, mais elle m'a posé une question, j'ai juste répondu. Ouais, c'est ça. J'ai parti le débat, Vous voulez savoir pourquoi, fait que j'ai répondu pourquoi. Mais j'ai goûté, il est super bon. C'est vraiment bon. J'en bois pas plus. Je vais essayer de remettre le liège dessus, je vais voir si la musique s'éteint. La musique s'éteint. Bon, ben c'est juste parce que si on rejoue à la cachette, hein. Effectivement. Ce serait pas très pratique. Je vais être un petit désavantage. Ouais. Alors, Onimit et Starbug. Onimit et... un peu plus loin, en train de sembler superviser quelque chose. Et vous voyez Starbuck qui est en train de fouiller dans des buissons. Et ah ah, il s'écrie alors que quelqu'un sort de sa cachette du buisson. Je t'ai trouvé! Allez, bien joué! Puis il y a quelqu'un qui sort de sa cachette qui a pas été trouvé du tout. Voici ton cadeau pour avoir gagné! Puis il lui donne un petit quelque chose. Bravo, celui qui a gagné! J'ai fait un thumbs up. Le gnome t'a fait un thumbs up. Je suis le meilleur à cachette. Voulez-vous jouer contre moi? Contre le gnome? Oui! Sure? Ouais! Yes, yes. Animint! On embarque ces trois-là dans le game! Alright! Donc, Onimint est la superviseure. C'est elle qui surveille pour s'assurer que tout est en ordre pendant le tout. J'ai une step de merde. T'as une step de merde? Ah ouais, ça fait différence avec Papa. Starbug est la fée qui va chercher. Donc, c'est lui le chercheur. Parfait. Fait que tout le monde, vous pouvez trouver un endroit pour vous cacher et faire un jet de stealth. Si Onimint rajoute. Il y a trois endroits excellents pour se cacher, mais ça demande un petit peu de travail. Vous pouvez, faire parler un peu plus bas, vous cacher dans l'une des navettes de la Grande Roue, mais Biscuit parle beaucoup, hein? Sûrement que vous l'avez déjà remarqué, vous arrivez de la Grande Roue. Mm-hmm. Donc, si vous lui donnez la nourriture, il dira peut-être pas que vous êtes là. Mm. C'est un bon moyen de le garder silencieux. Sinon... Vous pouvez vous cacher dans le champ de fleurs, mais ils sont un peu sauvages. Ils sont toujours en train de dire qu'ils ont les pétales les plus belles que l'autre, plus douces et tout ça. Donc, si vous jouez sur leur ego, là, hein, avec leur ego, elles seront gentilles. Sinon, vous pouvez vous cacher dans le nid du héron. Mais il faut la convaincre quand même d'y aller. Elle aime beaucoup parler du beau temps, mauvais temps, de la température en général, puis du gazon. Elle aime le gazon. Elle aime le gazon, d'accord. Sinon, vous pouvez vous cacher n'importe où ailleurs, dans le carnaval. Dans le carnaval, au complet. Dans le royaume des pixies, pardon. Moi, j'aimerais bien aller dans le nid du héron. Moi, j'irais voir le hamster.
Parfait. On va pas manger aller aux fleurs. Yeah. j'ai de la bouffe sur moi, fait que je vais aller leur en donner. Ah, mais excellent. Ben oui, vas-y. Je vais donner mes rations. Ouais. Donc, Dimple. Ouais, c'est moi. Tu arrives près du nid de l'héron. Et le héron prend parole. Bonjour, je suis Béatrice. Que venez-vous faire près de mon nid? Bonjour, je suis Dimple. J'aimerais pouvoir m'asseoir un peu dans votre nid pour pouvoir jaser de la pluie, du beau temps, du gazon. Si ça vous intéresse, bien sûr. Ah oui, vous trouvez aussi qu'il fait beau, n'est-ce pas, en cette nuit merveilleuse? Effectivement, mais j'apprécierais qu'on parle un petit peu moins fort, que notre conversation soit juste entre nous. Parce que vous voyez, je joue à la cache-cache en même temps. Je vois. Fais-moi un jet de persuasion. Trois! Oh wow! Si vous voulez vous cacher pour la cache-cache, il faudra aller voir ailleurs. Mon nid n'est pas une cachette. Ah. D'accord, désolée. Merde! Non, ton jet de stealth va être normal. Ah, ok. Ensuite, nous avons Toad Hop. Oui! Toi, c'était... Le hamster qui parle tout le temps. Parfait. Fait que le hamster, il court, puis... Hey, tu viens faire la tour d'eau! Allez, allez, on va! Hey, hey, hey! Charles la bouffe, là, puis je dis... Hey, si je monte, là, là-haut, là, tu me laisses-tu me cacher? Tu peux-tu parler aux autres pendant que je vais être là? Je te laisse ma bouffe, puis quand je vais redescendre, si je gagne, tu vas en avoir plus. Ah, plus de bouffe? Plus de bouffe! Plus de bouffe? Exactement! Mais il faut que je gagne. Fais-moi un jeu de place pour le tien. 15! Et tu roules bien aujourd'hui? Oui! Yes, yes, yes! Ah, à part que je te monte en haut complètement, tu vas te cacher puis tu vas rester là. Je vais me cacher là. Tu vas pouvoir faire ton jet de stealth avec avantage. Yes! Puis on a, j'ai oublié ton nom, Nixiton. Nixiton. Donc tu arrives près des fleurs et tu les entends un peu chamailler. C'est moi qui ai les pétales les plus douces. Non, t'as pas rapport, c'est moi qui les ai les plus douces. Tu sais pas de quoi tu parles. Mais quelle beauté ai-je devant les yeux! Ah! Oui, nous savons, nous sommes les plus belles fleurs de la région. Mais c'est incroyable! Mais moi, je suis encore plus belle. Non! Me feriez-vous l'honneur de me laisser simplement m'asseoir au centre de vous et vous observer pendant une demi-heure? Vous pouvez le faire autant que vous voulez, ma chère, mais dites-nous, qui a les plus belles pétales ici? Qui a les plus... Mais je vais avoir besoin d'une demi-heure pour vous le dire. Mais, s'il vous plaît, laissez-moi... Ne dites à personne que je suis là. Je veux simplement vous observer et vraiment choisir laquelle d'entre vous. Mais je ne dois pas être dérangée. Si quelqu'un me parle pendant que je vous observe... Vous voulez faire de la contemplation silencieuse? Il est important que je fasse de la contemplation silencieuse pour réussir à déterminer laquelle d'entre vous est la plus belle de toutes. J'aimerais un jet de persuasion. C'est tellement bon! Est-ce que ça va être un 3? Oh, let's go! Non. Mais t'es pas charisme. C'est 16. Regarde! Plus 9? Non, c'est pas 16. Non. 7. 7 plus. C'est plus... Non, c'est... je suis même de la marge. 13. C'est bon, ça prenait 12. Oh. Okay. Ouf! Ah oui, contemple-nous et dis-nous ensuite qui est la plus fine de nous. Installe-toi parmi nous. Merci. Tu vas pouvoir brûler ton stealth avec avantage, puis t'es enveloppé d'une délicieuse arôme de fleurs autour de toi, et les fleurs sont magnifiques aussi. Miam. Et mon petit gnome aussi va se cacher. Donc, j'ai de stealth. J'ai de stealth. C'est celui qui a le plus bas qui est trouvé en premier. Ça va pas mal pour mon gnome. L'imbattable. C'est toi qui gagne, c'est toi qui gagne, c'est sûr. J'ai un double win! Ceux qui ont réussi à se cacher, leur place ont avantage. Là. Ouais, mais même ça, moi j'ai pas roulé bien. Ouais. Ah, c'est bien drôle, ça arrive pas, ça. Non. Ah, tout socké le karma. C'est toi qui gagne, c'est toi qui Le gnome a un gros 5. Moi j'ai eu 12. Oui, tout. Fait que c'est le gnome qui est trouvé en premier. Le champion du tour d'avant. Ils sont meilleurs que moi. Une fois, je les aurai. On poursuit. On poursuit? On refait? Oui. Ah! Ok, c'est bien. 16. 9. 19.
surprise! Là, oui. Là je roule. Là, ça roule. Pimple qui est trouvé ensuite. Mmh. Je t'ai trouvé. J'aime pas ce jeu. Wouah! Caca! Non. Ah ben, les deux, vous avez manqué. J'ai 8 aussi. Ouais, 8. T'as pas roulé 12? Non, lui, je l'ai tombé. Lui, c'était un 2. Ok. Puis l'autre, c'était un. Ça, j'ai plus 6. Ah, non, j'ai eu 9. J'ai eu un 3 sur le dé. J'ai eu 2 puis 3. Fait que. Fait que c'est toi. Oui, donc. Nixon. Et donc, trouvé. Nous avons donc une gagnante pour la cache-cache. Tourne. Hop! Félicitations! Où tu es, tu peux sortir de ta cachette. Je dors. Elle gagne tous les jeux. Oui, je sais. C'est un petit peu fatiguant. Oui. Je m'excuse. Je laisse la bouffe à la créature, au hamster, puis je dis merci parce que j'ai gagné. Le hamster est super content et donc tu gagnes un sachet de pixie dust. Ok. Je crois que vous saviez déjà ce que ça faisait. Je pense que on vole. Ouais, c'est ça, c'est. Ok. Pendant une minute. Je te donne le sachet. Tu peux le garder. En fond, j'ai la description ici, là, si vous voulez. Je pense que je n'aurai plus de jeu, guys. Ben non, mais non, parce que... Fais-le, parce que sinon... Sinon, y a des jeux, ouais, c'est ça, il y a des jeux qu'on on gagne pas si c'est pas toi qui gagne. I'm sorry. C'est quoi de ta faute? Au moins, on gagne. Qui... Vous pouvez avancer là, ouais, c'est ça, et aller. Vous entendez les forains s'écrier que le spectacle va bientôt commencer au grand chapiteau. On va-tu porter la voix à Candle Keep, Candle Foot, avant? Moi, je... Ce serait bien d'y aller porter sa voix, au moins, là. Ouais. En fait, c'est là. Fait que, ouais, on passe en avant, fait qu'on va aller, on va faire une... Un petit crochet, puis on va aller porter la Ah, voir. C'est pas con, non, on va se splitter. Moi, je vais partir en avant, pour aller, je vais aller prendre trouver des places. Les meilleures places. Ok, c'est bon, je vais aller vous garder des places. T'es pas fâchée, hein, Tali? T'as l'air un peu fâchée. Non. C'est correct. T'es sûre que tu joues pas Jamie? Il va falloir que je l'ai... Je t'agace. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je suis triste, t'as de l'air fâchée. Je suis pas fâchée. Ok. Peux-tu jouer aux cartes? Pas avec toi. Mais je peux pas gagner. Mais on va aller porter la voix... Ok. Tantôt. Vous attendez pour aller porter la voix et vous allez direct au grand chapiteau? Non, elle va direct au grand chapiteau. Okay. C'est moi. Je vais aller garder des places. Ouais. Puis nous, on va porter la voix. Ouais. Donc, vous retrouvez facilement Candlefoot qui est devant le grand hall d'illusion, le palais des miroirs. Il punch un ticket alors que quelqu'un entre à l'intérieur. Et vous le voyez donc, là. Et vous voyez aussi quelqu'un qui part à rire de façon incontrôlable en étant devant le petit kiosque de la poupée de Tasha. Encore! Bon, il n'y a pas personne qui va se précipiter dans une attraction qui n'aurait pas vu, là. Fait qu'on va aller le voir. Ouais. Voilà, il se racle la gorge, le petit. Ah, ma voix! Je crois qu'on a quelque chose pour vous. Il fait il ouvre grand les yeux, il fait un genre de « ah oui », mais silencieux. Je vais couper la... Faut juste couper le truc. Ouais, faut juste le détacher. Je le détache. Il porte sa main à son cou. Tu vois la voix qui s'élève. J'ai ma voix. Ah! C'est ça! Oh! Je sais pas... qu'est-ce que vous avez fait pour réussir, mais... J'ai enfin ma voix, merci! Je vais pouvoir... Faire votre demande? Oui! Vous avez entendu? C'était plutôt malencontreux comment ça s'est passé. Mais
Pour vous remercier, lorsque vous aurez le temps, je peux vous donner un cours d'acteur. Ah, pourquoi pas? Mais c'est le spectacle qui commence. Oui, on doit y aller. Pas la chevalière. Oui. Vous y allez? Oui. Je vous suis. Ben, okay. Non, mais la maison d'illusion, il n'y a pas personne pour la garder? Merde. Ah, il fait un signe qui... How convenient! You there! You're not walking here! Il fait un signe à un des employés du carnaval qui est en charge de faire la supervision de la sécurité, finalement. Puis il l'installe à sa place. L'employé, comprenant qu'il a retrouvé la voix, et oui, je vais t'aider. Vas-y, puis t'en viendras après. Cute! Donc, Candlefoot, souriant et ravi enfin d'avoir la voix, change de tout et de rien avec vous en se rendant au grand chapiteau. En as-tu apporté du bonheur? Oui, vous pouvez le monter de 1, effectivement. Il nous en reste un pour être les monarques. Si on ne fout pas la merde après. Si on ne fout pas la merde après. Ah, on est correct. Bon, ça se passe bien pour l'instant, on n'est pas trop des merdes. Non, c'est ça. Donc, vous arrivez au grand chapiteau. Rossio a déjà gardé vos places. Vous êtes bien situés à l'avant de la scène. Yeah! Les lumières se tamisent. Le silence s'installe. Une seconde plus tard, un projecteur illumine une silhouette elfique assise sur un cerceau en argent. Suspendu à l'aplomb de la piste centrale par des cordes en soie. L'elfe élancé porte un costume éblouissant de miroir en losange, une paire d'ailes de papillon. La tête de son sceptre est une girouette. Vous apercevez Monsieur Light. Ouais, il est exactement comme quand on se souvient. Comme vous vous souvenez. Ouais. Okay. Il a l'air tellement plus sympathique dans ton livre que sur le truc-là. Là. Ouais, ouais. Non, le cover du livre, c'est fou comment ils leur ont fait un visage lugubre. Ouais, ils ont de l'air vraiment lugubre. Ils ont de l'air de méchants. Alors que je pense qu'ils sont pas lugubres du tout. Là. Ils sont en fait super méga sympathiques. Là. Ça dépasse ton peur des clowns. Bienvenue à tous et à toutes et à tous au clou de la soirée. Je suis Monsieur Light. Je vous préviens, le ravissement est garanti. Et pour les gens sur YouTube, terminez l'épisode ici. Vous allez voir la suite une heure plus tard. Pour les gens sur Twitch, nous poursuivons de ce pas. Donc si vous voulez ne pas avoir d'épisode coupé comme ça, vous savez qu'il faut nous suivre en live sur Twitch ou être abonné et ayez ainsi accès à tous les VOD.